Eh bien, salut tout le monde, et on se retrouve pour un deuxième épisode sur Tomb Raider 2013. Voilà, donc, hop, on se retrouve au feu de camp. Donc, petit résumé de l'histoire précédente. Lara est partie dans le triangle du dragon pour chercher le royaume perdu du Yamatai. On a été pris dans une tempête et le navire s'est échoué. Du coup, on a réussi à regagner la plage, mais on s'est fait attaquer. On s'est échappé d'une grotte où on avait été enfermé avec plein d'autres. Il y avait plein d'autres cadavres. Un mec bizarre en fait qui nous poursuivait. On a se retrouvé à la plage, on a récupéré un Takiwalki, on est arrivé dans une sorte de petite forêt, on a récupéré un arc, c'est aussi un cadavre en fait. Les cadavres sont assez sympas dans le jeu. Ouais, ils sont gentils et tout, vous voyez, ils parlent pas trop en plus. Et là cette fois on doit avancer. On avait commencé la chasse et tout, maintenant on doit avancer. Donc on avance. Ouais, hop. Je monte un tout petit peu le son du jeu pour moi. Est-ce que je peux le... Oh oui. Voilà, ça... Y a pas grand intérêt, voilà, ça donne un peu d'XP, mais c'est tout. C'était juste pour le plaisir. Voilà, donc cette porte n'était pas ouverte, d'habitude. Y'a quelqu'un ? Vu que personne m'a dit que les sous-titres les gênaient, j'ai préféré les laisser. Voilà. Oula. Vas-y, prends une torche, Lara. T'es un peu crade quand même, hein. Tu me diras, c'est normal. C'est le vent, c'est le vent. C'était le vent, c'était le vent, c'était le vent. On va dire que c'était le vent. Merci le tuto. Ok. Genre, la première fois que tu prends une échelle, tu gagnes 100 XP. T'imagines dans la vraie vie, tu prends une échelle et là. Félicitations, vous avez gagné 100 euros. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, là, faut sauter. Ok. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Parce que je ne sais pas lire les kanji. Qu'est-ce que c'est que ces symboles? Je suppose que c'est les kanji d'ailleurs. Ok. Et vous voyez, là, ça réalise par contre, par exemple. Tu sais qu'elle passe sous cette barre, voilà. Hop. Et hop, là, elle fait passer la torche, mais elle la fait pas passer dans l'eau, justement. Ça évite de l'éteindre. Vous voyez, ça fait un truc assez réaliste. Bon, voilà. Bon. C'est des détails, faut que j'arrête de me... Voilà, ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Un soleil, on dirait des trucs de prisonniers, vous savez, comme quand ils gravent sur les murs leur... Plutôt pour pas les gens, pas les prisonniers, parce que les prisonniers ils savent combien de temps ils doivent rester enfermés, mais les gens kidnappés ou des conneries du genre. Oh ou non. Bloqués. C'est de la folie. Oui bah oui, no one lives, personne ne part. Oh. Bon, ça c'est un peu moins réaliste, mais... C'est pareil. Traditionnelle représente une méchante femme à l'apparence de démon. Il y a des traces voyez. De peinture blanche hop. À l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Alors pour les traces de peinture blanche, je veux dire la noblesse parce qu'en gros les à l'époque les femmes utilisaient en fait en gros les nobles. Donc c'est en Chine je suppose ou au Japon. Se recouvraient le visage en fait un peu de peinture blanche. Vous savez comme des fois vous voyez des images où elles ont un peau très très pâle. En fait c'est parce qu'il y a de la peinture. C'était un signe de noblesse. Voilà. C'est pareil, personne s'est plaint pour le fait que je laissais les petits passages comme ça, comme pour le livre ou ça, donc je vais les laisser. Ça fait toujours un petit peu de... Comment dire? D'histoire en plus, c'est intéressant, je trouve. Waouh. Je sais pas si c'est humain ou pas. Je sais pas, ça a pas l'air quand même, c'est vachement gros pour être humain, ça. Oui, tu m'étonnes une mouche. Non, je vais pas récupérer ça, mais ça va récupérer. Donc, nous récupérons le piolet. Qui n'est pas une arme, qui est un équipement. D'accord, donc la musique venait de ça. C'est un tourne-disque, un vieux tourne-disque. Ok. D'ailleurs, le CD est un peu... Enfin, le vinyle est un peu défoncé quand même. On va pas se le cacher. Allez, voilà. C'est comme ça qu'on force les portes. Ok, par ici. Bon là, je crains pas de me faire attaquer. Je ne peux pas faire ça. Parce que je ne peux pas sortir mes armes. C'est pour ça qu'il a dit je peux pas faire ça. En gros ici je peux pas sortir mes armes, donc je sais que je me ferai pas attaquer. Okay. Bon là je peux, donc là je. Un loup encore. Si quelqu'un arrive à lire les caractères, est-ce qu'il peut me dire à quoi ça correspond? Ça m'intéresse.
Voilà. Ou si vous arrivez pas, si personne sait lire, c'est pas grave. Hein. C'est pas... Ouais, je cherche aussi un petit peu, mais bon. Oula, il a pas l'air de faire chaud ici. On récupère une torche. Ah, il y a des voix. Sam ? Qu'ils suivent le sentier. C'est un peu abrupt, j'en ai peur. Tu as entendu ? Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route. Ah, ça doit être Reyes l'autre voix normalement. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Et monsieur ? C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Tu as aussi le don de me rendre nerveux, t'as une tête bizarre. T'as des pellicules, ou alors c'est de la neige. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente, je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. J'ai cru qu'il n'y avait pas Lucéré, je me rappelais plus qu'il y a Lucéré. Pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Ça dépend enseignant quoi en fait. Ah, t'as l'air épuisé, assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la reine solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la reine Iniko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Iniko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers. Oh, c'était obligé quoi. Mathias ? Il n'y a plus personne. Sam ! Merde. Non, 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 fais gaffe. Fais gaffe. Ah, j'avais prévenu. T'as bien écouté aussi. Sam ! Oh, le pied jaloux quoi. Attention, là, c'est le moment où je me fais toujours défoncer parce que je suis mauvais. Il y a quand même un ralenti pour les choper, vous inquiétez pas. Bon, je vous avoue que si vous jouez sur un PC qui lag un peu, du coup, c'est assez compliqué. En gros, le temps que vous les voyez, c'est... ils sont déjà sur vous. Je te vais passer dans la forêt, toi. Ok. Je teste cette zone parce qu'en fait, pour l'instant, on a que l'arc. Il y a plein de loups et j'aime pas tuer les loups à l'arc. C'est assez chiant. Ah, Reyes, enfin. Ah. Et genre son pied n'a rien. Ça fait plaisir de te revoir. Je suis persuadé que les pieds jaloux ça faisait super mal. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous ? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hey, oh, 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 hé, hey, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Ça s'oublie pas comment tu tires. Charge de Sam et de ce Mathias. Ouais, si, elle a quand même un peu mal. Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute.
Bon. On a déjà un peu plus d'énigmes déjà. Ce Mathias, qui est-il? Est-il vraiment un enseignant? Bon, normalement, enfin, je pense que ça, oui, c'est vraiment un enseignant à la base. Je vais jeter un oeil. Ok. Whitman, qui a l'air d'être un gros trouillard quand même. Ça va aller mieux, la ratage. De toute façon, t'as besoin que ça aille mieux, sinon on peut pas continuer le jeu. C'est pas si mal. Voilà, ça va mieux. Ok, merde. Un peu de touche. Il y a un bouquin ici. Je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Himiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Ma grand-mère me racontait cette histoire comme on raconte des souvenirs. Il y a plusieurs milliers d'années, la reine Himiko régnait sur le Yamatai. Il l'appelait la reine solaire. Elle était belle, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. Elle régnait sur un royaume s'étendant des montagnes à la mer. Mais un jour, le Yamatai a disparu sans laisser de traces. Et il est tombé dans l'oubli. Ok, voilà, donc je vous les laisse, les documents. Si vraiment vous en avez marre, que ça vous prouve que ça prend trop de temps sur l'épisode, bah vous le dites et je les passerai ou je les lirai moi-même. Ok. Bon, je pense faire le jeu à quasi 100%. Donc là, voilà, là je peux pas l'ouvrir pour l'instant. Arrête de force pas trop comme ça, là, arrête de péter un bras. Pourquoi quasi 100%, c'est-à-dire en gros 100%, j'essaie de faire toutes les petites allées, tous les annexes qu'il y a, à me faire toutes les améliorations et tout. Mais je n'aurais pas forcément ouvert toutes les caisses de matériaux, tous les trucs dans le genre en fait. Ok, attends, je cherchais la touche, ça, ok. Donc là, il y a plein de loups qui traînent et ça va être assez chiant. Alors attends. Oh, mais pardon, je t'avais pas vu le cerf, si j'avais su. Déjà, toi, voilà. Le plus dur, ça va être ça, les trucs de totem et tout. Tout ce qui est annexe en fait. Qui va être un peu caché. Il n'y en a pas un sous le pont là? Il n'y en a pas un sous le pont. Ah si, il y en a un sous le pont. Vous voyez, quand je dis qu'ils sont vraiment planqués, mais go. Là-bas, une autre caisse de matériaux. Donc pour l'instant, on va explorer un peu la zone. Et je pense qu'on fera juste de l'exploration de zone et tout là. Ouais, bon, alors toi, pour te choper, ça va être assez compliqué. Encore un sanctuaire. Je t'ai pas eu ? Je l'ai pas eu. Bon, j'ai eu le lapin. J'ai eu le lapinou. Bon, j'avoue que je suis pas rassuré, je sais qu'il y a plein de loups et j'aime pas ça. Ouais, voilà. Je t'ai calmé, toi. Ok. Je les ai un peu calmés quand même. La voie est libre, que dalle, oui. Encore plein de loups. Je le sais, j'ai déjà fait le jeu. J'ai tout ça à explorer d'abord. Alors. Attends là. Tu peux pas tourner un peu plus sec des fois? Voilà. Bon ok, ça passe pas. Ça ne passe pas. On va donc passer par là. Alors. Oula. J'ai fait trater tout. Je me trompe toujours de bouton. Whitman est une vraie diva. Je le revois encore pendant que je le filmais. Quelle histoire. Après tout, c'est son boulot, non? Ce n'est pas comme si sa présence allait changer quelque chose au résultat de ses recherches. Dès que nous aurons trouvé l'Yamatai et que les caméras tourneront, ça ira mieux. Il est pénible, mais il est doué pour la mise en scène. Je dois faire mon travail et rester calme. Lara ne le sait pas, mais je l'ai filmé elle aussi. Je veux vraiment que les gens sachent à qui revient tout le mérite. Et puis, elle passe tellement bien à l'image. Ça va rendre Whitman fou de jalousie. Mais le temps qu'il s'en rende compte, nous serons loin. Sam, quoi. Sam qui doit être la meilleure amie de Lara. J'ai dit, j'ai pas joué aux autres Tomb Raider, donc j'en déduis juste en fait tout par rapport à ici. Donc je suppose que Sam est la meilleure amie de Lara. Je me demande si on la retrouve dans les autres Tomb Raider. Je l'ai pas eu. J'ai pas eu la tête, j'ai pas eu la tête. Là, il y a un truc caché. Bonjour, monsieur.
les acteurs de No penchaient la tête vers le haut ou vers le bas afin que le masque exprime différentes émotions. Ah bon, ça marche vraiment ? Attends, je penche un peu vers le bas. Attends, vers le haut, ça fait quoi ? Ça fait une autre émotion vers le haut, ah bon ? Là, il a l'air triste. Ah ouais, là, il a l'air un peu en colère. Mouais. Je sais pas. C'est assez bizarre, quand même. Bon, du coup, il y avait un monstre normalement, ici. Je sais plus où il est, mais... Oh, oh. Couché, sale bête. J'ai dit couché. Bon, je suis sûr que j'oublie la moitié des trucs, hein, clairement. Déjà, je retrouve plus le cerf. Merde, j'ai oublié où je l'ai shooté. Là. Ok. On va bientôt prendre un level, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, attendez. Est-ce qu'on a oublié plein de trucs par là-bas? Ok, ça passe. Là, faut que je trouve les autres pendentifs qui volent là. Les autres amulettes un peu de vaudou, de sorcier, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Là, il y a une corde pour grimper en quelque part. Là, c'est le point de départ. Là, il y a un truc qui brille. Voilà. Je t'ai vu, petit géocache. Je t'ai vu. Oh, raté, t'es sérieux. Ok. Bon, désolé, là, c'est l'épisode un peu exploration fouille. On essaye de se mettre bien. Ce masque était utilisé dans le No, le théâtre traditionnel japonais. Il représente sûrement un démon, un Oni. Ah. Une étiquette de prix. Ça, c'est pas d'époque. 49,99. Je sais pas en quelle monnaie c'est, mais 49,99 quand même. Lara est en pleine crise de confiance, alors j'essaie de faire bonne figure. Mais cette expédition ne me dit rien qui vaille. J'en ai mal au ventre. À mesure que nous approchons du triangle du dragon, je sens que la nausée me gagne. Et ce n'est pas un excès d'enthousiasme. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je devrais être contente. Ce voyage va être génial. Il faut que je me débarrasse de ces états d'âme. Je peux peut-être convaincre Lara de faire une pause et de boire un verre avec moi ? Ok, donc finalement, Sam a eu une bonne mauvaise impression. Oui, ça se dit, une bonne mauvaise impression. Et là, je retourne là-bas. On va aller voir. Tranquillement, ouais, c'est une funambule. Je peux grimper là ? Ouais, je peux grimper. Et ça ramène juste au-dessus du feu de camp ici. Ok. Pas vraiment intéressant en fait. Sauf si j'ai oublié quelque chose. Je ne vois pas. Y'a pas des gris-gris là qui traînent ? Oh, y'a pas de gris-gris. Bon, du coup, je pense que je continue un tout petit peu l'exploration là, de la zone. Genre vite fait, il doit y avoir un petit tombeau secret, je vous montrerai ce que c'est, si je le retrouve. Ouh, y'a des loups, ils sont là. Je l'ai raté. Aïe. Ta mère. Casse-toi! Il en reste un, non? Là. Ouh, aïe. Calme-toi, le loup, calme-toi. Je sais pas où t'es, mais calme-toi. Bon. Ne jamais se faire sauter dessus par un loup. Bah du coup j'ai pas eu le temps de te dépouiller, voilà. Donc, nous en étions à ici, non ici c'est d'où je viens. Merde, raté. Y'a pas un gris-gris là? Y'a pas de gris-gris ici. Là y'a rien. Enfin je crois pas. Non y'a pas l'air. C'est quand même assez bien le bordel ici hein. Me demandez pas comment c'est rattrapé, mais assez rattrapé. Voilà ce que je cherchais. La carte au trésor. Et en gros, grâce à ça, on obtient les infos de tout ce que j'ai oublié. Enfin, ce que j'ai oublié.
Bon, vous voyez qu'il me reste un géocache ici. Donc il me manque un... Là, il me manque quoi dans cette zone? En gros, une fois que je suis arrivé à Whitman, j'ai fini à la forêt littorale. Donc, et comme je peux pas y revenir tout de suite, je préfère la finir un petit peu. Donc il va me manquer donc deux géocaches. Il y en a un ici. Et j'en oublie un au tout début. Donc j'y reviendrai plus tard pour ce au tout début. Mais voilà, document il sera à côté de Whitman. Et il manquera les chasseurs d'esprit, de toute façon je reviendrai plus tard aussi. Sauf si j'en croise quelques-uns ici. Il y en a peut-être en l'air, je pense. Bon là-bas, vous voyez, j'ai mon marqueur là-bas, on le voit bien sur la carte, c'est assez pratique. Ah, attendez, je viens d'en voir un. Ouais, bon, je t'avoue que... Voilà, descends. Ok, on a fait la moitié. Je vais vite fait aller chercher le géocache qui est là-bas. Sans mourir, là. Aïe. Oui. Je dis ça, mais vu d'où je saute aussi... Ok, et là, promis, on avance cette fois. Hop. Non, saute. Enfin, Lara. Ok. D'autres gris-gris qui traînent. Malheureusement, non. J'avoue que c'est assez chiant à trouver ça. Il y aura des mini-trucs plus simples, hein, je vous le garantis. Mais ça, c'est assez chiant. Ok. Bonjour, Whitman. Là, j'ai le nouveau camp. Ils sont fascinants. Je les ai déjà vus. Oh. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. En jugé par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Y a pas de poignée. Ensemble. Ah non. Là, le piolet, c'est du bois. C'est du bois le piolet. Bon, le faire une roulade qui est bloquée sur mon écran, c'est assez chiant. On va trouver quelque chose. Ça nique un peu tout. Quoi améliorer? Voilà, je l'ai fait ta roulade. Bon. Ok, dans le feu de camp, ça l'enlève. Voilà, vous voyez, pour 50, je peux améliorer le piolet. Voilà, et je peux le faire ça pour toutes les armes. Bon, pour l'instant, je peux pas, parce que là, c'est le tuto. Le piolet arc et tout. Et du coup, avec le piolet amélioré, voilà ce que je peux faire. Et du coup, je reviens. Oh, pardon. Je t'ai oublié, toi. Reculez ! Encore ? Mais vous allez jamais me laisser ? C'est pas vrai, ils sont chiants ces loups. Bon. Je vais vite aller chercher les matériaux et on se casse. Non, je confonds les grésiers avec les branches, c'est assez chiant ça. Merde, c'est pas là. Aïe. Attendez, je suis bugué. T'es sérieux? Ronce de merde. Pardon. J'ai fait mourir quand même comme une merde à cause des ronces. Bon, elle est là. Bon, il y avait qu'un piège à loup par contre. Ils ont pas l'air efficaces vu le nombre de loups qu'il y a dans la zone. Je prends absolument ça parce que... Voilà. Oui, je vis le jeu, hein. C'est-à-dire que quand la force, même moi dans ma voix, j'ai l'impression de forcer en fait. Pareil, quand elle est en stress, j'ai l'impression d'être en stress quand je parle. Donc, d'après vous, encore des loups ou pas? Je sais, même moi j'en sais rien. Non, c'est bon, pas de loups. Donc, je regarde vite fait si on peut améliorer l'arc. On doit pouvoir, voilà, on doit pouvoir. Donc, j'ai pas assez pour ça, j'ai pas assez pour ça. Merci, il me manque 10. Je suis pas déçu. Je prendrai le point de compétence après, ne vous inquiétez pas. Ok, je suis prêt, docteur. D'abord, on prend ça. Chérie, réfléchis.
réfléchi avant de remplir ces papiers. J'ai englouti tout l'argent qu'il me restait dans cette expédition. Mais ça va me rapporter 10 fois plus. Si tu divorces maintenant, tu n'auras pas un centime. Tu m'as connu alors que je n'étais personne. Tu sais ce que je suis capable d'accomplir. Je n'ai pas perdu le feu sacré. Je vais rebondir, crois-moi. Là, je tiens quelque chose. Lara, tu te souviens d'elle? Ma jeune protégée. Elle a des preuves pour étayer ses théories, mais elle n'a pas d'expérience. C'est en mon nom que je présenterai cette découverte aux caméras. Si tout se passe comme je pense, ce sera un show fantastique. Si tu décides de partir, je ne te retiendrai pas. Mais je t'en prie, attends un peu. Ce genre de publicité nuirait à mon image. Je t'en prie. Ok, donc Whitman est un gros connard. Enfin, c'est mon avis. En gros, le mec, il fait... Il pense qu'avec l'argent, il peut garder sa femme. Et en même temps, si elle le quitte, ça nuirait à son image. Genre, le mec pense vraiment qu'à sa gueule, quoi. Bon, point de compétence. On va mettre dans le combat. Plus de munitions, plus de temps de visée à l'arc. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, non, il y a autre chose ici ou pas? T'as une sale tronche, toi. Madame, monsieur? Madame, je suppose, mais j'en sais rien. Bon, allez. Normalement, il faudrait que je finisse ici. Parce que... comment dire? Non, Whitman, tu retiendras pas la pente comme ça. Hein. Voilà, faudrait que je finisse ici parce qu'il n'y a plus de feu de camp juste à côté, là. Cette figure féminine. Et j'en ai pour un petit moment. Étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la reine... Quoi, attendez, ça vient de sauvegarder. Bon, on verra bien. Sam, tant pis. Whitman. Si l'épisode fait 45 minutes, il fera 45 minutes. Nico avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs chamaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Ok. Bon, je vous avoue que là, voilà. C'est bien, Miko. Regardez. Le bol. J'espère qu'on va pas mettre trop de temps. Pourquoi est-elle... J'aimerais bien trouver un feu de camp rapidement, en fait. Cette île devait appartenir au royaume du Yamata. On est quoi, 28 minutes, vous me direz, c'est pas... Un royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Docteur Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Reculez. Il ne faut pas leur faire confiance. Vous avez encore une arme. Je ne veux pas d'ennui. Non, mais non, non, fais pas ça, Whitman, putain. Qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous. Non. Je m'en occupe. Non. Ah. Non. Ah. S'il vous plaît. Lâchez-moi. Putain, Whitman, quoi. Non, ne leur résistez pas, Lara. Faites ce qu'ils demandent. Daimnik est à l'air. Trace un russe. Иди. Пошла. И кем вы, enfin? Qu'est-ce que Тихо! Vous... Ah, c'est des mecs du bateau, ça. Nous devons сухать, мочи. Ne faites pas de mal, vous en prie. Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Та-та-та, tu touches pas à Lara. Si tu touches à Lara, tu vas niquer le fantasme de plein d'hommes. Donc tu ne touches pas à Lara. Ouf. Oui, bon, là, je t'avoue que là, ça n'est pas le fantasme, mais... pas bouger, il a dit, c'est ça? Je suppose qu'il a dit pas bouger. Voilà, on va essayer de pas se faire avoir. Tac, 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 tac. Oh. Ah bah, il parle plus russe. Ah si, ça y est. Alors? Oh mon dieu. Cache-toi Lara, cache-toi. Il va falloir presque tous les tuer. Dommage, on aurait besoin de nous. La fille s'est barrée, ouvrez l'œil.
Attendre que lui passe, on va passer derrière lui. Tu vois quelque chose? Non, rien. Rien ici. On continue à grimper. Cache-toi. Ouh. J'étais en stress. Je parlais pas trop, désolé. Faut pas me rater. Bon, 10 contre 1 qui nous a vu, hein, clairement. C'est quand même con les méchants dans ce jeu, hein. Si tirer plus vite, si tirer au lieu de parler. Ça fait longtemps qu'ils auraient gagné. Voilà, c'est ça qu'on veut, Lara. Ouch. Bon, ça, non, on veut pas. Non, arrête, tu vas niquer le fantasme de plein de gens. Ah. Ah, ça, c'est dégueulasse, par contre. Je t'avoue que c'est dégueulasse. Elle a quand même de la force pour... Non, tire dedans, au moins. Putain. Non, t'as plus de force que lui, Lara, t'as plus de force que lui. Désolé. Oh, la balle dans la tronche, Bert, c'est dégueulasse. Et elle est encore recouverte de sang. Ouais, bon, j'avoue que c'est dégueulasse. Je sais pas si c'est un moins de 16, un moins de quelque chose en fait, il faudrait que je regarde. Du coup, désolé si j'en ai choqué certains, mais si ça en a choqué certains, ça peut arriver, hein, je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Bon, après, si vous savez, si par exemple vous supportez pas la vue du sang, vous n'avez pas regardé un let's play sur Tomb Raider. Ça paraît très bizarre. Mais bon. C'est ton arc. Et on a une arme en plus, on a enfin une arme à feu. Non, je veux pas passer la scène. Bon, j'avoue, je préfère quand même l'arc, mais bon. J'ai pas de balles, j'ai l'impression. Ouais, j'ai pas de flèche non plus. Merci. Bon, on va par là. Là, pour l'instant, on va essayer de juste s'échapper de retrouver le prochain feu de camp. On s'arrêtera au prochain feu de camp. Voilà. Je veux des armes. Ouais, elle prend le flingue automatiquement en fait, pour la cinématique. Ah, la flèche enflammée dans le bras, quoi, putain. J'en ai une. Elle est descendue par là-bas. Comment elle est résistante. Elle est morte. Je sais pas. Alors là, vous allez voir à quel point je suis très 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 mauvais. Voilà, je suis très très mauvais comme je vous ai dit. Mais merde! Je sais pas viser, putain! C'est dingue! C'est ouf comme je sais pas viser, putain! Voilà, modification d'arme disponible. Hop, pardon. Merde, il est là le cadavre. Donc en gros ici je sais que j'ai ramassé parce qu'on pourra pas revenir dans cette zone plus tard. Comme vous voyez elle est en train de complètement flamber donc Et oui mon style à haut pistolet est très très dégueulasse. Waouh, la flèche qui traverse. Elle a quand même pas mal de chance hein. Genre, la flèche traverse mais ça lui passe à côté. Faites-moi ça Lara. Ouh. S'il vous plaît, I need sauvegarde. Moi je pense que j'avais un autre point de sauvegarde avant mais... Je vois pas les... Merde. Elle est là-haut. C'est bon, ça l'a eu. Ça l'a eu. Et en gros, quand vous éliminez à l'arc, en fait, les autres ennemis ne sont pas alertés. Alors que si vous éliminez au pistolet, bon, vous entendez le coup de feu, quoi. Oh là là, mais cet équilibriste, quoi.
Voilà, je sais bien qu'il y en avait un autre qui arrivait. Oui, je tonk. Ok, je fouille les cadavres. Là, on fait un peu de butin. Et on va enfin changer de zone, du coup, on va arriver dans une zone où je vais pouvoir sauvegarder. Oui. Ah, y a Ross qui nous parle. La fumée qui vient des ruines, est-ce que tout va bien? Oh mon dieu, Ross, ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi? Qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs, je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. Oui, c'est la première fois que Lara tue quelqu'un d'ailleurs ici là. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Mince, j'ai perdu le feu de camp. Ok, j'ai retrouvé le feu de camp. Donc voilà. Est-ce qu'elle parle? Voilà, elle parle. C'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. Mais cette île, c'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. Je suis vraiment là. Je fais vraiment toutes ces choses. Non. N'y pense pas, Lara. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce qu'est devenu le reste de l'équipage. J'espère qu'ils n'ont rien. Oh mon Dieu, faites qu'ils n'aient rien. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Ross et trouver un moyen de rentrer à la maison. Ok, donc voilà, donc là je vous ai laissé Lara qui parle. Et on peut améliorer le pistolet, on peut améliorer l'arc, moi je vais améliorer l'arc clairement. Plus de dégâts, allez hop, on est des malades. Voilà. Un point de compétence, on va prendre... Il faut quoi ça? 5 compétences supplémentaires peut-être. Plus de munitions, pas forcément. Cadavre d'animaux pour des matériaux supplémentaires, récupérer les flèches. Caisse et cache pour des matériaux supplémentaires, voilà, c'est ça qu'on va prendre. Comme ça on pourra améliorer plus vite nos équipements. Et du coup on a bloqué le voyage rapide. Et donc voilà. Du coup je vais me remettre là, voilà, on va finir ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on a vu les premiers meurtres de Lara, même si c'est d'autodéfense, hein, clairement là elle n'a pas eu le choix. Du coup je sais pas trop quoi vous poser comme question. Je pense que bon, ça c'est une réponse logique, mais voilà, c'est ce que je vais demander. Est-ce que vous, dans les mêmes genres de situations, vous seriez capable de tuer quelqu'un? En gros, voilà, vous êtes attaqué, est-ce que vous seriez capable de vous défendre en tuant les gens? Ou vous essayeriez plutôt juste de les blesser ou de vous enfuir. Voilà. C'est-à-dire tuer, blesser ou fuir. En gros, voilà. Ça serait une des trois réponses que vous feriez dans ce cas-là. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Je vous répète encore, j'espère que l'épisode vous aura plu. J'arrive même plus à parler. Voilà. Hein, j'ai encore le stress des combats de Lara. Parce que je suis très mauvais au pistolet, mais un truc de dingue. Franchement, en vrai, en combat, je suis nul. Hein. Franchement, je suis dégueulasse. Mais voilà, c'est assez marrant quand même. On va bien rigoler, je pense. Du coup l'épisode fait 40 minutes, mais je sais pas si c'est vraiment gênant. En attendant, on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.